Donc, effectivement, je m'appelle Patrick Goé, je suis de formation juridique. Et successivement, j'ai pour commencer été directeur adjoint puis directeur général de l'UNAPI, et ceci de 1981 à 2002. Après quoi, j'ai été délégué interministériel aux personnes handicapées de 2002 à 2009, c'est-à-dire que je l'ai été pendant toute la période où on a refait la législation et la réglementation. Et puis maintenant, depuis 2009, je suis inspecteur général des affaires sociales. De 2009 à 2012, j'ai présidé le Conseil national consultatif des personnes handicapées, et c'est la période au cours de laquelle ont été examinés et adoptés un grand nombre de textes d'application à la loi de 2005. La première des choses, lorsque l'on a commencé les travaux autour de la loi, c'était de répondre à la question toute simple, qu'est-ce que c'est que le handicap? Et la loi repose sur un nouveau paradigme en la matière. Au fond, le travail a commencé par la définition suivante. Le handicap, c'est le résultat de la rencontre entre les déficiences qu'une personne peut connaître et l'inadaptation de son environnement. C'est fondamental, ça. Et à partir de là, le législateur a bâti un système qui répond aux deux causes de la production du handicap. Aux causes individuelles, c'est-à-dire aux déficiences, la loi répond par la compensation. Et à l'inadaptation de l'environnement, la loi répond par l'accessibilité. Ça, c'est le premier legs majeur de la loi de 2005. Pour ce qui concerne l'accessibilité, là, c'est d'une autre nature. Là, ça touche à toutes les activités de la société, à toutes les activités de la cité. Donc, là, pour ça, la loi, elle fait de l'accessibilité un objectif sociétal. Elle fixe un calendrier qui d'ailleurs n'a pas été respecté et elle prévoit des sanctions si cette obligation légale n'est pas respectée. Et elle dit, et c'est peut-être ça qui est essentiel, elle dit l'accessibilité, c'est un principe qui s'applique à tout, c'est-à-dire certes au transport, certes aux établissements publics, mais aussi à tout ce qui est éducation, santé, emploi, culture, vie citoyenne, etc., etc. Et si vous voulez, en gros, voilà ce que constitue, voilà ce qu'implique la loi de 2005. Le maître mot, c'est le mot participation. Jusqu'en 2005, le système qui constituait déjà un progrès, c'est un système qui dit on vous évalue et on vous attribue ce que l'on estime que vous avez ce dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir les actes essentiels de la vie. 2005 conserve ce principe et il en ajoute un autre. 2005 dit le handicap, ça peut être un obstacle à l'accomplissement de soi. Donc, le citoyen handicapé, il doit avoir la possibilité de dire ce à quoi il aspire, d'une part, et d'autre part, le citoyen handicapé, il doit être associé aux décisions qui le concernent. Il doit être associé, il doit participer. Dans les décennies qui viennent, il faut qu'on soit de moins en moins conduit à adapter les choses parce qu'on ne l'a pas prévu, mais de plus en plus conduit à anticiper les choses en prévoyant tout ce qui peut survenir dans un logement, dans un dispositif de transport, etc., en amont. C'est ça la révolution culturelle que la société française doit accomplir, pour laquelle la loi de 2005 a ouvert les portes, et c'est possible puisque beaucoup d'autres sociétés ont intégré ce paradigme dans leur politique d'ensemble. En Europe, il y a deux cultures dominantes. C'est le fruit de l'histoire.
Il y a une partie de l'Europe qui est plutôt de culture protestante et une partie de l'Europe qui est plutôt de culture catholique. Chez les protestants, chaque être humain est porteur de talent. Le rôle de la société, c'est de permettre à l'individu de découvrir ses talents, de les développer, d'en faire profiter l'ensemble de la collectivité. Dans ces sociétés-là, la personne handicapée est présente dans la cité ordinaire, parce que elle profite de l'a priori selon lequel elle a des choses à apporter aux autres. C'est pas pour autant qu'elle ne bénéficie pas de l'aide qui lui permet d'y parvenir, mais c'est l'approche dominante. Dans les pays d'héritage plutôt catholique, et je ne porte pas de jugement de valeur ni sur les uns ni sur les autres, ce sont des constats que j'ai faits comme ancien secrétaire général d'Inclusion Europe à Bruxelles. Dans les pays de culture plutôt catholique, ce qui prévaut, c'est le concept suivant. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Eh bien, sur ceux qui peuvent, il y a une obligation, autrefois on disait de charité, aujourd'hui on dit de solidarité envers ceux qui ne peuvent pas. Ce qui fait que dans les pays qui sont plutôt de culture catholique, on a développé les réponses spécifiques aux personnes handicapées. Elles sont moins dans la cité, elles bénéficient davantage de réponses spécifiques particulières. Moi, je dirais qu'on est pas mal placé, c'est difficile de faire un palmarès, mais on est pas mal placé, mais il y a encore du chemin à faire. Je pense que on est à 60-65% de la mise en œuvre de tout ce que le dispositif législatif et réglementaire peut promettre comme avancée. Donc, il faut surtout pas rendre la loi responsable de ce qui ne va pas. Il faut surtout la préserver. Mais par contre, il faut travailler à ce que tout ce qu'elle induit soit bien mis en œuvre. Et ce n'est pas encore le cas. Et puisqu'on est 10 ans après la promulgation de la loi, c'est indispensable de faire le bilan de son application. Et puis de relever ce qui est fait et qui est positif, ce qui doit être amélioré et ce qui doit être entrepris, parce que dans ces domaines-là, on n'a pas fait grand-chose. Ce qu'il faut absolument, c'est sensibiliser le corps social autour de la vérité suivante, mais qui n'est pas toujours bien comprise. C'est que quand on fait quelque chose en direction des personnes handicapées, ce quelque chose ne profite pas qu'à elles. Ce quelque chose profite à tout le monde. Et pour ça, il faut multiplier les opérations de sensibilisation, de communication, de mobilisation. Et comme on est un pays de tribus, depuis la nuit des temps, ce qu'il faut, c'est mobiliser l'ensemble des tribus. Les tribus du logement, les tribus de la construction, les tribus de l'éducation, les tribus de la formation, etc., etc. Dans notre beau et grands pays, on a quand même tendance à vivre chacun chez soi, chacun dans son domaine professionnel, chacun dans son domaine de prédilection, etc. Il faut vraiment qu'il y ait de la transversalité, et puisqu'on a commencé cet entretien par la délégation interministérielle aux personnes handicapées, il est indispensable qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, dans les collectivités, dans l'entreprise, etc., il faut que, à tous les niveaux et partout, il y ait des acteurs de la transversalité de la réponse aux personnes en situation de handicap. C'est absolument important. Et il faut que ça repose sur un discours qui dit, encore une fois, parce que c'est essentiel, ce qui est fait pour la personne handicapée, ce n'est pas fait uniquement par solidarité pour une catégorie. Certes, c'est fait pour ça, mais c'est fait aussi, et c'est peut-être fait surtout, pour que tout le monde bénéficie d'un aménagement, d'une amélioration de l'environnement. Et pas uniquement de l'environnement physique, mais aussi de l'environnement culturel et moral. Parce que, au bout de tout ça, le but ultime, c'est que le regard porté sur chacune et chacun des personnes concernées soit un regard qui ne soit plus de pitié, de commisération, de gêne, etc., mais un regard de compréhension et d'assimilation.
nous vivons dans une période difficile, une période de raréfaction des moyens. Donc, il faut en tirer quelques conclusions. La première, c'est que le secteur du handicap ne peut plus considérer qu'il lui suffit de dire à la société « je fais quelque chose de bien » pour que celle-ci lui donne les moyens dont il a besoin. Ce qu'il faut, c'est que, et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que le secteur du handicap, les associations, les organisations professionnelles, etc., fassent bien la démonstration, et de manière concrète, par la réalisation de ce qu'ils font, que ce qu'ils ont demandé comme moyen pour adapter la société rend celle-ci plus vivable à tout le monde. Et puis, troisième point, et ça c'est fondamental, nous héritons d'une approche politique très sectorielle. On a une politique pour les personnes handicapées, on a une politique pour les personnes âgées, puis je peux multiplier les exemples. Comme les moyens se raréfient, il est tout à fait légitime de regarder ce qu'il y a de commun dans les aspirations et les besoins des uns et des autres. Et quand on a fait ce constat-là, de mutualiser les réponses que l'on apporte, mais en même temps, de veiller à ce que ce souci de proximité et de mutualisation n'entraîne pas une méconnaissance et une non-prise en compte des spécificités. Car il y a des spécificités dans les besoins d'une personne handicapée de 25 ans et d'une personne dépendante du fait de son grand âge. Il y a des besoins qui sont semblables, il y a des réponses semblables à apporter à ces besoins-là, mais il y a aussi des besoins spécifiques et il faut continuer de répondre à ces besoins spécifiques. Alors là, on n'est plus dans le domaine de la loi, on est dans le domaine de la pratique. Et ça, c'est, de mon point de vue, l'effort que doivent accomplir les porte-parole de ces deux catégories de population, à la fois des populations handicapées et des populations dépendantes du fait de l'avancée en âge. Et ce qui m'a convaincu de la légitimité d'une telle démarche, c'est précisément l'animation que j'ai faite du groupe de travail sur l'avancée en âge des personnes handicapées. Parce que ce groupe de travail, il a été conduit à la croisée des chemins entre le handicap et la dépendance liée à l'âge. Ne serait-ce que parce qu'une personne handicapée qui vieillit, elle voit son handicap d'origine très souvent s'accroître et elle en voit survenir d'autres qui sont liés au vieillissement lui-même. Donc, la sagesse, l'opportunité font que c'est cette stratégie-là qu'il faut suivre et mettre en œuvre. Si aujourd'hui j'ai une recommandation à formuler, c'est celle-là. Construisons le plus d'unités possible, sans oublier les spécificités, en menant cet effort, on répondra de manière adaptée aux besoins de chacun, mais on le fera dans un cadre uni. Et quand une société est défiée, comme l'est la nôtre en ce moment, la première des conditions à réunir pour faire face, c'est l'unité, et non pas la division. Et pourquoi l'unité? Parce qu'il n'y a pas d'unité sans liberté. Or, c'est l'aspiration première de l'individu, c'est d'être libre. Mais quand il n'y a que de la liberté, il peut y avoir de l'injustice. Donc, le troisième élément de ma devise, après l'unité et la liberté, c'est la justice.